Bonjour à toutes et à tous, je suis absolument ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo qui est en fait un nouveau format sur ma chaîne. Il s'agira de Focus Féministe. En effet, je souhaite présenter une nouvelle série sur ma chaîne qui seront en fait de courts Focus Féministe sur des œuvres qui sont pour moi importantes parce qu'elles apportent quelque chose à l'histoire du féminisme, mais aussi qui permettent de présenter des personnalités soit féministes, soit LGBTQ+, soit alliées, qui sont pour moi importants et qui méritent d'être plus connues. Donc, je voudrais commencer cette série de vidéos avec une œuvre que j'ai absolument adorée récemment, qui est Le Puits de Solitude de Marguerite Radcliffe Hall. Mais peut-être juste avant de me lancer directement sur la présentation de l'œuvre, je voudrais vous parler 2 minutes en fait de cette série de focus féministes que je souhaiterais implémenter sur ma chaîne. Alors, comme vous le savez certainement, si vous suivez mes vidéos, une de mes passions, ce sont les lectures féministes dans leur entièreté, et je suis un peu plus passionnée par l'histoire en fait du féminisme et surtout les premiers romans, essais, etc. féministes. En particulier, je m'intéresse aussi pas mal à la question du lesbianisme parce que c'est quelque chose que je trouve particulièrement intéressant et qui n'est pas trop développé en fait, même dans la recherche d'une manière générale. Et également beaucoup à la représentation de personnalités LGBTQ+. Donc voilà, ce serait plutôt ce type d'orientation qu'il y aurait sur ma chaîne. Je souhaitais présenter cette série de Focus Féministe parce que j'aimerais. Il y a déjà de nombreuses chaînes YouTube qui parlent extrêmement bien de ça, que ce soit en anglais ou en français, et certainement dans d'autres langues que je ne maîtrise pas. Mais j'en regarde déjà beaucoup, je suis abonnée à pas mal de chaînes, donc c'est clair que ça existe, et c'est super que ça existe. On en présente. Ça m'a permis aussi de développer mes connaissances. Par exemple, Le Puits de Solitude, je crois que je l'avais vu sur la chaîne de Oulala Chic, par exemple, qui justement a fait récemment le mois des fiertés, où en fait, pendant un mois, tous les jours, elle publiait la photo d'un ouvrage LGBTQ+. C'était extrêmement intéressant d'ailleurs. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir son Instagram, qui est absolument génial, que je regarde très fréquemment. Et donc, il y a toutes ces chaînes qui sont particulièrement intéressantes, importantes et nécessaires. Néanmoins, je voulais apporter ma petite pierre à l'édifice parce que c'est vrai que dans ma jeunesse, parce que je me suis intéressée assez tôt à ces questions, dans ma jeunesse, j'ai eu énormément de difficultés à trouver des ouvrages qui m'intéressaient sur ces questions. C'était un peu un parcours du combattant. J'ai passé beaucoup de temps sur des sites comme Babelio, mais en l'occurrence, à l'époque, c'était plutôt Amazon, donc c'était encore pire parce que l'algorithme était très mauvais. À chercher des ouvrages plutôt historiques, plutôt 19e, 20e, début 20e, sur ces questions, des romans, des essais, etc. Et ça a été très difficile. Et du coup, ça me faisait un peu plaisir quand même de vous présenter mes lectures, ma vision un peu des choses, peut-être de vous apporter un éclairage différent sur certains ouvrages ou tout simplement de vous les faire découvrir. Donc, je pensais faire ce type de vidéo de manière assez fréquente. Peut-être une fois par mois. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que mon sujet de mémoire est un sujet féministe. Et donc ça me poussera aussi à être un tout petit peu plus assidue dans mes lectures. Donc voilà. Je vais passer directement à la présentation de l'ouvrage. Donc le voici. Il s'agit donc du Puits de Solitude de Marguerite Radcliffe Hall aux éditions L'Imaginaire de Gallimard. Donc Gallimard qui l'a réédité assez récemment, je crois, en 2018. Donc pour juste résumer en quelques mots Le Puits de Solitude, donc il est publié pour la première fois en 1928 en anglais, donc sous le titre de Well of Loveliness, et il sera très vite interdit, et les ouvrages seront jetés au feu. Il y aura même un procès pour obscénité au sujet de cet ouvrage. Donc c'est le plus connu de son auteur, donc Marguerite Radcliffe Hall, et il est en grande partie autobiographique. Donc concernant Marguerite Radcliffe Hall, si ça ne vous dérange pas, je vais juste l'appeler Marguerite Hall parce que c'est un petit peu difficile. Donc c'est une auteure lesbienne qui se définit comme étant une inversée. Et c'est intéressant parce que ça va revenir dans l'ouvrage. Donc elle s'habille très régulièrement à la mode masculine. Si vous voulez juste taper son nom sur Google, vous verrez, c'est vraiment super intéressant. On a des photos d'elle en fait, et également de sa compagne. Et elle se fait appeler John quand elle s'habille en homme.
Donc elle fait partie de la bourgeoisie anglaise, vraiment la classe aisée. Donc c'est intéressant et c'est aussi important pour l'ouvrage, parce que l'ouvrage donc est en grande partie autobiographique, donc ça va revenir et ça va avoir son importance, je trouve. Donc elle fait partie de cette très grande bourgeoisie anglaise et elle va devenir écrivain. Et justement, l'ouvrage parle d'une femme, d'une grande bourgeoisie anglaise qui est lesbienne et qui va trouver son moyen d'exister en fait grâce à l'écriture. Et c'est particulièrement intéressant. Donc peut-être avant de vous parler de l'ouvrage, je vais juste m'arrêter un peu sur l'objet livre parce que je trouve qu'il a son importance pour un tel monument. Les éditions L'Imaginaire Gallimard, moi j'ai le souvenir d'éditions qui étaient en fait blanches, effectivement, avec ce type de visuel, mais néanmoins plastifiées. Donc ça veut dire que la couverture n'était pas simplement du carton, comme là où c'est vraiment du carton brut. Je ne sais pas si on verra. Ils étaient plastifiés pour que la couverture ne se salisse pas, en fait, et qu'elle reste jolie. J'avais notamment les contes orientaux de je ne sais plus quel auteur, mais en tout cas, j'ai déjà un ouvrage qui est toujours très beau, même après des années de lecture. Ce n'est pas le cas ici, donc c'est du carton. Et comment vous dire, je ne sais pas si ça se verra, mais je prends vraiment soin de mes livres et je ne sais pas si vous verrez, il est vraiment sale. Donc là, il y a une grande trace ici, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas ce que j'ai mis dessus qui rend ces taches particulières, on dirait un peu des taches graisseuses, mais je ne lis pas en mangeant. Donc je ne sais pas trop comment ça a pu apparaître ici. Bref, c'est très décevant parce que je prends vraiment soin de mes livres et surtout celui-ci, sincèrement, est resté à côté de mon lit parce que c'était un ouvrage que je lisais le soir avant de dormir. Donc je ne comprends pas ce qui s'est passé. Je trouve que c'est vraiment dommage et vous voyez la tranche aussi assez défoncée. Du coup, les pages au milieu ressortent par rapport aux autres pages. Donc franchement, c'est vraiment dommage. Il ne coûte pas si cher que ça. Il coûte 14,50 €. Mais pour un livre d'une telle importance et pour une collection aussi sympa que L'Imaginaire de Gallimard, où franchement il publie de très belles choses, des pépites assez méconnues parfois, je trouve vraiment dommage de ne pas proposer un objet livre plus qualitatif. Donc voilà, il faut le savoir si vous le commandez, parce que moi j'ai été assez déçue quand je l'ai reçu, je dois vous l'avouer, parce qu'il ne l'avait pas en magasin, j'ai dû le commander, et quand il est arrivé en magasin, j'étais déçue, mais bon, il faut le savoir. Je n'ai pas fait de recherche s'il existe dans d'autres éditions, je vais essayer de l'avoir dans une autre édition plus qualitative, parce que c'est vraiment un ouvrage que j'ai adoré, donc voilà. Mais je vais y revenir. Donc, dans cet ouvrage, on suit Stephen, donc cette jeune fille de très très bonne famille, depuis son enfance à Morton, dans une très belle maison dans la campagne anglaise. On suit ses péripéties. Donc, c'est la fille unique de deux parents qui l'aiment très fort, en tout cas son père. Et dès le début, donc qui est assez long parce qu'on va vraiment la suivre étape par étape, mais on va surtout très longuement s'appesantir sur son enfance. On se rend compte que son père sait qu'il y a quelque chose de particulier avec cet enfant et que sa mère le sent aussi et est beaucoup plus distante avec elle. Ce sera tout un enjeu extrêmement important et c'est d'ailleurs très bien traité dans l'ouvrage. Donc Stephen grandit en fait habillé en garçon. On la traite comme un petit garçon. Elle a le droit de faire du cheval comme un homme. Elle a le droit d'absolument tout faire comme un homme. Elle a une excellente éducation offerte par son père qui essaye en fait de lui donner tous les outils qu'il peut lui donner pour qu'elle puisse vivre une vie heureuse parce que son père se doute que la société ne l'acceptera pas telle qu'elle est. Donc, un des premiers points très forts de cet ouvrage, c'est la relation entre Stephen et son père qui est absolument magnifique. Il faut le lire pour comprendre, c'est vraiment très très beau, c'est très poétique, c'est magnifique. Donc voilà, premier point, je ne peux pas vraiment en dire plus, mais c'était absolument incroyable. Stephen, en grandissant, a un certain nombre de défauts, et là ça me permet de parler d'un autre point très intéressant dans cet ouvrage, c'est que les personnages sont vraiment très bien creusés. Ils ne sont jamais tout blancs ou tout noirs, ils sont toujours extrêmement gris, extrêmement intéressants, et c'est ce qui les rend extrêmement attachants. Et à commencer par Stéphane, qui est vraiment pas la personne la plus sympathique au monde tout le temps. Hein. Elle est égoïste, elle est assez égocentrique,
mais elle est en même temps très naïve et elle a juste envie d'aimer en fait. Et donc Stéphane grandit sans se rendre compte qu'il y a quelque chose qui risque de lui poser problème dans la société qui est celle dans laquelle elle vivait à cette époque, donc vraiment tout début des années 1900. Elle tombe amoureuse pour la première fois. Je ne vais pas parler de cette relation parce qu'il faut la découvrir dans l'ouvrage, qui va et cette, en fait cet amour va lui créer toute une série de problèmes, de déceptions, et elle va se retrouver à Paris et fréquenter des cercles, on va dire, d'artistes, de lettrés parisiens, aussi de la très très bonne bourgeoisie. Elle est notamment dans le quartier latin, donc elle ne se retrouve pas dans les pires quartiers de Paris. Et elle va être entourée. Et en plus de cela, elle va finalement vivre la guerre et elle va tomber pour la deuxième fois amoureuse. Je ne vais pas en dire plus parce que je pense qu'il faut le découvrir. Mais en gros, on va vraiment suivre toute sa vie. En tout cas, une grande partie de sa vie. Et il y a quelque chose qui va rester tout le long de sa vie et qui va être un peu le fil rouge pour moi de ce roman, c'est la solitude, d'où le nom Le Puits de Solitude. En fait, Stéphane très vite va se rendre compte qu'elle est seule, profondément seule, surtout à partir du moment où son père va disparaître d'une manière ou d'une autre. Et en fait, elle va vraiment se construire en tant que personne seule. Et il y a de très, très, très belles réflexions sur la solitude, sur le rapport qu'on peut avoir aux autres, sur l'amitié, sur toutes ces questions. Et pour moi, c'est vraiment un des plus beaux points de ce roman. C'est vraiment quelque chose que j'ai absolument adoré. C'était tellement poignant. Surtout vers la fin, où vraiment on comprend pourquoi il y a eu cette très, 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 très longue première partie qui parle de l'enfance de Stéphane. Les personnages, donc comme je l'ai dit, sont extrêmement attachants. J'aimerais peut-être juste m'arrêter sur deux. Le personnage de Brockett, je m'en souviendrai toute ma vie. Et vraiment, si au début j'avais beaucoup de mal avec lui, à la fin il est absolument incroyable. Dana aussi, de Raph Terry le cheval. Et surtout, j'aimerais parler de Puddle, qui est en fait une des enseignantes privées de Stéphane, qui en fait va la suivre tout le long de sa vie et qui va l'entourer de son amour profond et sincère. Et c'était tellement beau, rien que d'en parler, j'ai un peu de larmes aux yeux parce que c'était absolument magnifique, c'était si bien raconté. On ressentait vraiment une profonde affection entre Stéphane et cette très petite mamie qui la suit un peu partout. Et en même temps, une relation presque d'égal, en fait, où Puddle respecte très profondément Stéphane et Stéphane respecte très profondément Puddle. Puddle qui va aussi un peu lui servir de mère de substitution pour moi. Et vraiment, ce personnage est magnifique. Donc en fait, c'est un roman qui se déguste, en fait. Excusez-moi. En fait, donc le début est très très long et petit à petit, on se rend compte de la raison pour laquelle ce début était aussi long. En fait, ce début va se retrouver dans la fin et on va avoir une série d'adieux vers la fin du roman et qui résonne en fait extrêmement avec l'enfance de Stéphane et c'était absolument magistral. Donc, traitement sublime de la solitude, traitement sublime des relations humaines, traitement sublime en fait du lesbianisme, parce que c'est ce qu'a vécu l'auteur, et je trouve qu'elle le raconte extrêmement bien, tout en pudeur et en même temps en poésie, en passion aussi, en rage à certains moments, par rapport à cette société qui ne l'accepte pas, par rapport au fait qu'il y a une relation terrible en fait dans son cercle d'amis, de lesbiennes qui vont disparaître à très peu de temps d'intervalle. Et c'est clairement aussi une critique de cette société qui ne leur permet pas de vivre comme ils le souhaiteraient, simplement heureux. Et donc c'est un roman à la fois engagé, surtout vers la fin, mais aussi si beau, si poétique. Je vous le conseille tellement. Je pense qu'il faut le lire. Je regrette de ne pas l'avoir lu plus tôt parce que je l'aurais, je pense, encore plus dégusté quand j'étais plus jeune et que j'avais en moi encore toute cette rage. De vivre et tous ces sentiments beaucoup plus aiguisés que maintenant où je commence un petit peu à vieillir et enfin j'ai 25 ans, je ne suis pas non plus grabataire, mais disons j'aborde mes lectures d'une manière un peu plus posée et je pense que si j'avais lu cet ouvrage vers 18 ans, j'aurais été complètement transformée et ça aurait été le plus beau livre de ma vie. Vraiment. Il est absolument magnifique, je vous le conseille à tous, vraiment.
Je vais le lire en anglais, du coup, pour encore plus m'imprégner de la plume de l'auteur, mais en tout cas, la traduction est magnifique. Je le conseille particulièrement si ce genre de questions vous intéresse, et surtout peut-être si vous avez envie de découvrir un ouvrage qui traite de la solitude d'une manière que je trouve en tout cas assez innovante et sublime. Il se lit assez lentement, et ça il faut le savoir. Il faut savoir que je me suis vraiment accrochée les, je dirais, 300 premières pages, dans le sens où je ne comprenais pas toujours pourquoi on prenait autant de temps pour narrer l'enfance de Stéphane. Mais en fait, tout se met en place. S'il vous plaît, si vous avez un peu de mal au début, accrochez-vous au moins jusqu'aux 2 tiers du livre. Ça vaut le coup, vraiment. C'est un ouvrage sublime, je vous le conseille tellement. Donc voilà, je pourrais encore parler 10 ans de cet ouvrage, mais malheureusement je finirai par tout vous spoiler, ce que je ne souhaite pas. Donc n'hésitez vraiment pas à le découvrir si ça peut vous intéresser. N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, à laisser également un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous retrouve bientôt pour un bilan de la mi-année et aussi mes présentations d'ouvrages de littérature chinoise que je conseille peut-être pour découvrir un peu cette littérature. Voilà, merci beaucoup à vous pour votre attention et à bientôt!